Oh, on dit des fois, prends ton temps, dépêche-toi, parce qu'on n'a pas le temps. Ah, dans ce monde, le temps, c'est quelque chose. On poursuit le temps, on est tout le temps en train de courir. Et quand on court, parce qu'on n'a plus le temps, parce qu'on n'a pas pris le temps, ben, cette course nous emmène beaucoup plus vite à la tombe. Ah, je dis, il faut prendre le temps pour ne pas passer à côté des choses. Prendre le temps de s'arrêter pour voir ce qui se passe. Autrement, le temps t'embarque et tu ne sais plus où tu vas parce que tu es tout le temps affairé à combler les choses qui doivent être faites pour pouvoir trouver une satisfaction. Et toute satisfaction que tu convoites dans le temps te donnera une déception, que tu aimes ou pas, parce que tu n'étais pas arrêté, tu n'as pas vu vraiment ce qu'il y avait en réalité. Ce que tu veux, c'est ce que tu poursuis. Et ce que tu poursuis dans le temps, c'est toujours la même chose. Poursuivre, courir. Aller plus vite et jamais satisfait. C'est ce que le temps fait avec nos vies. On court pour gagner un peu plus, pour ne pas rater la dernière affaire, la bonne occasion. Et puis tu ramènes l'occasion chez toi. Et tu t'aperçois qu'il y a autre chose, encore mieux. Donc tu cours encore. Tu n'arrêtes jamais de courir pour te satisfaire. Donc cette course, il faut se remettre en question pour voir si on continue ainsi. Parce que cette course est, si tu veux, rentrer dans les mœurs de toute la société, de la plupart des gens, la majorité, je dirais. On court pour un résultat, on court pour un but, on court parce qu'on n'en a pas assez, on court parce que on ne veut pas manquer. Donc, il y a une peur que le temps crée. Et tu te retrouves à faire des actions selon ce que le temps te laisse faire. Donc tu es toujours dans le besoin d'accomplir quelque chose pour que tu puisses te sentir en sécurité. Mais le temps ne te donne pas la sécurité, justement, parce que le temps file avec sa sécurité, avec tout ça. Il faut que tu cours toujours pour rester en phase avec ce que le temps propose. Donc tu n'as jamais le temps. Puisque ton esprit est occupé et prisonnier de toute cette activité que tu fabriques tout le temps. Donc, ceux qui courent comme ça, ils s'aperçoivent qu'en fait, le temps a bouffé leur vie, en fait. Et ils n'ont pas pu vivre. Il n'y a pas de vie. Il y a juste courir. Et une occupation constante de l'esprit. Alors, s'arrêter est devenu quelque chose de complexe, compliqué, parce que dans ce monde, tout se passe ainsi, tout est une course. C'est devenu un truc pratiquement impossible.
On se lève, on va travailler, on travaille, après on rentre à la maison, on mange, on boit, on dort, on a des enfants, la famille, et puis on va en vacances, et puis on recommence, et tout le temps, pareil, pareil. Et le temps passe. En attendant, tu ne vis pas. Tu es prisonnier du temps. L'esprit est prisonnier du temps. Il court avec le temps. Et bien sûr, tu arrives plus vite à la fin. Mais prendre son temps, ça veut dire que tu abandonnes des idées. Tu abandonnes des désirs qui te font courir pour quelque chose que tu convoites. Parce que quand tu convoites, il faut aller le chercher, ce truc-là. Quand tu désires, il faut aller le chercher. Donc il n'est pas là en face de toi, maintenant. Donc il faut que tu t'actives, il faut que tu t'affaires pour aller gagner le gain de ce que tu cherches à avoir. Là encore, l'esprit doit courir. Il poursuit le désir. Et le désir, il fait partie du temps. Donc, tu es en train de courir. Tu t'es mis dans la peau du temps. Et le temps court. Et tu es prisonnier de ce mouvement interminable où tout le monde court pour quelque chose. Et quand on l'a, on n'a rien gagné. On n'a rien gagné. Parce que ce qu'on a, ce sont nos propres envies. On a pu capter notre envie. Et l'envie que tu as, ça existe dans ta tête. Donc ce que tu trouves au bout du chemin, ben c'est de l'illusion. Une illusion que tu as poursuivie, un mirage que tu t'es donné de poursuivre. Et tu as été prisonnier de ce temps. Tu n'étais pas arrêté. Tu n'as pas pris le temps. C'est le temps qui t'a pris. Et te voilà en train de courir. Arrêter, c'est quand il n'y a plus demain. Parce que demain, quelque part, si tu regardes bien, demain, là, maintenant, quand tu respires, ça n'existe pas, demain. Ce qui existe, c'est ce que tu es là, en train de faire, respirer. C'est ça qui existe. Tu es en train de vivre là. Et hier aussi, c'est pareil. Il n'y a pas hier, c'est fini, tout ça c'est mort, tu ne peux pas le faire renaître. Donc ce qui existe, c'est seulement l'instant où tu es là, présent, avec tout ce qui se joue. Tout ce qui se joue dans l'instant là. Peut-on être présent? Mais il semble que la première réaction que l'on a quand on est présent à toutes ces choses-là, eh bien, on n'est pas intéressé. Parce que c'est une réalité, ce sont les faits de nos vies. Et c'est ça la vie. Ce n'est pas ce qu'il y aura demain, un jour, ou ce qui s'est passé hier. Non, c'est cet instant où tu peux jouir. C'est la seule chose que tu peux vivre, cet instant. Ce que les autres choses, tu ne peux pas vivre. Tu peux seulement penser, tu peux seulement spéculer, tu peux désirer, tu peux faire tout ce que tu veux, mais ça n'existe pas. Ce qui existe, c'est maintenant. C'est pour ça, on dit, prends le temps. Prends ton temps. Ne cherche pas à aller au-delà de ce que tu es, de ce que tu as. Et quand tu es là, présent, où
hier et demain n'existent pas, alors ce que tu as, eh bien, c'est quelque chose d'extraordinaire que tu ne connais pas, parce que tu ne l'as jamais expérimenté. Tu as toujours été occupé à quelque chose qui viendra, un bonheur qui viendra, une gaieté qui viendra, parce que ton quotidien est monotone, il se répète dans le temps. Et tu cours, tu cours, tu cours, tout le temps, tout le temps. Donc tu ne connais pas cette expérience où tout s'arrête, où tu n'es plus en train de spéculer pour ce que tu auras. Tu vois, ce que tu as, c'est maintenant. Tout est là. Ce que tu as, c'est la seule chose que tu peux avoir. Autrement, ce que tu auras, maintenant, ça n'existe pas. Et c'est là où le temps change pour toi. Parce que si tu restes présent, alors tu maîtrises la vie. Ce n'est plus la vie qui te prend, c'est toi qui prends la vie. Ce n'est plus le temps qui te prend, c'est toi qui prends le temps. Et quand tu prends ce temps-là, pour être ce que tu es à ce moment-là. Alors, tout prend une autre envergure. Il n'y a plus cette envie d'escalade où jamais la satisfaction est assouvie. Il y a la paix. C'est ce qu'on appelle la paix. Mais nous avons tous, je dirais tous, la plupart, majoritairement, nous avons tous été embrigadés dans cette idée qu'il y aura quelque chose. Donc nous vivons avec un programme qui nous a été légué que demain, là-bas, ailleurs que maintenant, il y a quelque chose de mieux. C'est faux. Tu peux bien le comprendre, ça, que c'est faux. Est-ce que tu le comprends bien ou bien tu l'entends seulement et tu continues pareil? Parce que c'est faux. Si tu réalises ça, eh bien demain n'existe pas. Le temps ne te prend plus. Tu es là, présent. Et là, toute l'existence prend son sens. Parce que toute cette activité nous divise les uns les autres. Tout le monde court pour gagner sa vie, pour gagner sa satisfaction, pour gagner son bien-être. Et tout ça, ça devient une affaire individuelle où tout le monde regarde midi à sa porte. Et à ce moment-là, on n'est plus ensemble. On est tous perdus dans le temps. Et ça crée de la rivalité dans les relations. Parce qu'il y a ce centre intéressé qui est moi, qui veut avoir ce but à atteindre. Il n'y a plus un moment de pause sur un sol commun qui nous appartient à tous. C'est ce moment où tout se vit. Là-dedans, il n'y a pas moi, il n'y a pas toi, il n'y a pas lui. Il y a juste la vie qui est là, présente. Et c'est là-dedans qu'on peut être en paix les uns avec les autres. Parce qu'on ne cherche plus rien. On ne cherche plus à influencer l'autre. On ne cherche plus à embarquer les autres. On est là, ensemble, dans ce monde, pour vivre cet instant, l'instant où tout se joue. Avec la paix,
la joie de ne plus avoir de tracasserie à courir derrière des choses qui n'existent pas. Et quand tu n'as plus de tracasserie, alors l'esprit est en paix. Et il y a de la joie d'être là, présent. C'est la vraie joie. Autrement, il y a la poursuite de tout ça. Et ça s'appelle le plaisir. Et du plaisir, tu n'en auras jamais assez. Tu vas toujours devoir courir après pour pouvoir avoir ce plaisir. Et qui te donne tant de problèmes. Qui est aussi la peur. La peur parce que tu n'en auras plus. Donc tu veux toujours garder du plaisir. Donc tu poursuis, tu veux. Mais celui qui veut détruit l'harmonie qu'il y a dans l'instant où tout se vit. Parce qu'il est dans un autre monde. Il ne voit pas la beauté. Et la beauté, c'est ça. C'est dans un moment où tout est présent. Et là, on peut jouir de tout ce qui se joue. L'univers même est à ta portée. L'univers est dans tes mains. Tu es grand, tu es immense à ce moment-là, parce que tu es dans l'instant où tout vit. Il y a la vie qui se meut là. Il n'y a pas d'autre vie. La vie, elle se meut maintenant, dans l'instant où on respire. Prends ton temps. Dépêche-toi parce que tu n'as pas le temps.